Avec Robert Schumann, l'Europe avait pris un magnifique départ. 25 ans après, quand restait-il? Le bel élan a été stoppé. Quand? En 1958. Par qui? Par les gouvernements de la Ve République. On a torpillé Euratom pour développer à des fins militaires une industrie nationale qui consiste à réinventer ce que les Américains ont déjà trouvé. Depuis 1965, on vide et paralyse le marché commun en imposant, contre le traité, la règle d'unanimité. Paris inlassablement refuse l'élection par le peuple du Parlement de Strasbourg. Strasbourgeois, que pensez-vous de ces nationalistes qui nous gouvernent et empêchent votre ville de devenir une véritable capitale européenne? Paris va ratifier, 22 ans trop tard, la Convention des droits de l'homme, mais en refusant tout recours aux simples particuliers contre les violations que le gouvernement pourrait commettre. Alors cette ratification n'est que pure illusion. Quand on refuse tout contrôle, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. On disait naguère, piteusement, c'est à cause de la guerre d'Algérie. Serait-ce maintenant à cause des Corses et des Bretons, ou bien pour pouvoir continuer tranquillement les écoutes téléphoniques et les mises en fiche? Cette attitude est indigne du pays des droits de l'homme. Mais le nationalisme n'a cure de principe. On appelle ça réalisme. Quand nos ministres parlent d'indépendance nationale, comprenez bien qu'ils pensent à leur propre convenance. L'Australie a porté plainte contre les expériences du Pacifique. Que fit M. Jobert? Au lieu d'aller plaider son dossier devant la Cour de La Haye, il a préféré rejeter, au nom de l'indépendance nationale, la compétence de cette juridiction. Car les États entendent se soustraire aux juges. Et c'est scandale. Comme on comprend leur sainte horreur du fédéralisme qui les soumettrait à la loi commune. Avec l'Europe, fini la fête. Européens, européennes, aidez-nous à construire l'Europe. Prenez en main vos propres affaires. N'oubliez pas que vos gouvernements sont vos serviteurs. Exigez qu'ils nous libèrent du carcan des frontières, car le nationalisme nous a mis en cage. Françaises et Français, renversez la majorité nationaliste qui nous gouverne depuis 16 ans. Vous voulez l'Europe, les sondages l'ont dit. Alors, faites respecter votre volonté. Les peuples des frontières souffrent plus que d'autres du nationalisme. Peuple basque des 7 provinces, Saspiak-Bat, tu diras non aux frontières. Prends exemple sur l'Eizaola, qui lui a vaincu la frontière en venant s'incliner à Pâques, à Guernica, sous le chêne sacré, devant la patrie d'Euskadi. Peuple basque, protège tes réfugiés, auxquels on mesure le droit d'asile au nom précisément d'une frontière. Les officiels disent, le Pays basque, ça n'existe pas. Qu'ils aillent plutôt le demander à Monseigneur Agnoveros. Peuple basque, prends exemple sur lui. Vous qui m'écoutez, souvenez-vous du Noël d'angoisse en 1971, quand votre indignation fit reculer le bourreau. Mais les 16 de Burgos sont toujours dans les geôles. Y pensez-vous? Il y a d'autres pays où les frontières font mal. La Catalogne, par exemple, pays de Puigcentich et de Montserrat, le héros et les saints que l'on vénère autant à Perpignan qu'à Barcelone. Le Roussillon est plus près de Barcelone que de Montpellier. Là aussi, il faudra rendre les frontières diaphanes. Et que dire de Strasbourg, qui ne rayonne que sur un demi-cercle à cause de la frontière du Rhin? Quel handicap pour cette ville par rapport aux autres centres, eux bien campés sur les deux rives du fleuve. Nous, fédéralistes, nous voulons qu'on ait le droit de se réunir par-dessus les frontières.
Nous, Européens, nous sommes seuls à l'heure du XXIe siècle. La Picardie et le Hainaut ne font qu'un. En Flandre belge et en Flandre française, sous le même ciel immense qui les transfigure, les beffrois s'observent et les carillons se répondent par-dessus les postes de douane. L'Europe réunira Belfort et Delémont, la Savoie au Val d'Ost. Ce n'est pas moi, mais De Gaulle, qui salua en termes émouvants les chers Valdotins, que le sentiment, la langue, le sang unissent si étroitement à la France. Nous réclamons pour les Bretons le droit d'entrer dans une confédération celtique, tout en demeurant français. La France ne perdra pas à s'ouvrir à l'Europe, à assouplir ses frontières. Elle y gagnera du prestige et l'amitié de tous ceux que les frontières meurtrissent. Elle y gagnera l'adhésion des peuples de la francité. Mais M. Messmer interdit aux régions tout rapport avec l'étranger. L'étranger, quel mot suranné! Et le plus fort, c'est qu'il l'a dit à Lille, à proximité de nos frères wallons, qui durent en être bien déçus. En somme, nous, fédéralistes, nous ne voulons pas l'Europe pour elle-même, mais pour ce qu'elle sera, pour ce qu'elle nous apportera. Nous ne voulons pas n'importe quelle Europe. Nous voulons la société fédéraliste, et c'est pour ça que nous voulons l'Europe. Sans l'Europe fédérée, pas de nouvelle société possible, même à la Chaban-Delmas. Nous voulons l'Europe des peuples. Nous réclamons pour tous le droit de disposer librement de soi. Mais cette Europe-là, faite pour la justice et le bonheur, sera quand même une Europe forte. 254 millions d'habitants, rien que pour le marché commun. Autant que de soviétiques et plus que d'américains. Européens, européennes, nous devrions avoir honte. À cause de nos vanités nationales, nous sommes à la merci du Koweït et bons pour toutes les vassalisations. Oui, nous voulons une Europe indépendante. Oui, nous voulons une Europe généreuse. Mais cette Europe-là, il faut d'abord qu'elle existe. Votez fédéraliste, et nous l'aurons dans un an.